Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon tout nouveau let's play sur le jeu Age of Empire, Age of Mythology, pardon, Extended Edition. Donc, je vous avais laissé la dernière fois, j'espère que l'épisode vous avait plu sur les deux premières missions de la première campagne des Atlantes. Donc c'était sur l'histoire du Trident. Et donc ce que je vous propose tout simplement, c'est que on continue tout simplement sur la troisième mission de cette campagne. Allez, on est parti. Derrière le masque. Charge. Arcanthos, par les dieux. Je ne pensais pas qu'Atlantide enverrait son meilleur amiral se battre pour moi. C'est gentil, roi Agamemnon. Vous ici, Ajax, je suis surpris de vous voir toujours aussi d'attaque. Remerciez-en ces Troyens, mon ami. Ravi de vous revoir. Qui avez-vous contrarié pour vous retrouver si loin de chez vous? Il fallait bien que quelqu'un vienne vous aider à mettre fin à ceci. Hélène est derrière ces murs, et nous n'avons pas encore réussi à entrer. Cela ne va pas durer. Vous êtes arrivé à temps pour notre dernier assaut, Arcanthos. Débarquez vos hommes. Vous pouvez dresser votre camp à l'est, mais attention, les Troyens ont des éclaireurs dans le coin. Ensuite, nous commencerons à préparer notre assaut. Oui, mais bon, le siège de Troie, il s'est pas vraiment passé comme ça, quoi. Allez, on va aller amener les soldats à la colonie non revendiquée. Ah, ils m'ont laissé des unités. Oula, oula, oula. Le siège de Troie, c'est pas forcément bien passé pour les... merde, pour les soldats grecs. Aïe, ils m'ont pété une unité. D'ailleurs, ce qui m'a toujours fait rire, c'est qu'au final, on sait toujours pas... Oula. Wouah. Il s'est fait balader. Ok, on sait toujours pas exactement, si je me souviens bien, où était l'emplacement de la ville de Troie décrite dans... C'est dans l'Iliade, du coup. On sait pas exactement où elle se situait. Si j'ai bien souvenir. Peut-être qu'on sait, mais en tout cas... pour moi, on ne sait pas exactement là où c'était. Si ça se trouve, si. Et j'aimerais bien que vous me le disiez, si c'est le cas. Hop, j'ai juste construit un forum rapidement. Voilà, donc on se lance. On se lance. J'ai quoi? J'ai Ajax et Arcanthos. D'accord, comme héros, j'en ai deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en groupe, déjà. Ah oui, bah oui, forcément. Et j'ai rien du tout pour récupérer... la bouffe, quoi que ce soit. Du coup, je suis un peu baisé. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai un navire de transport. Là, il y a des poissons. Faudrait que je fasse un port. Ça peut être utile pour avoir de la nourriture en plus. Donc, 3 est ici. Mais vu la gueule que ça a, je suppose qu'il n'y en a pas. On n'aura pas à l'attaquer. C'est plutôt cool. Parce que j'ai pas envie de refaire le siège de 3. C'était un petit coup compliqué sans le cheval, bien sûr. Alors, finissez cette année colonie. Poséidon, pourquoi j'ai Poséidon Je croyais qu'on n'était pas content. Ah mais oui, on a récupéré le trident, donc forcément on est plus dans les faveurs de Poséidon. Je pense que c'est ça. Je vais juste balader un petit peu mon héros, parce que s'il y avait un mouton par là, voilà. C'était sûr. Il y avait d'autres moutons. En plus, il y a des poulets, il y a de quoi faire. Donc là, il y a de l'or. Il y a une route. Qu'est-ce qui se passe? Ces navires viennent des ports troyens. Ces ports alimentent la ville. Nous devons les détruire. Lége. D'accord. Etimos. Ok, il va falloir les détruire deux ports. Talos. Alors, est-ce qu'on va arriver à... Ah, il y a peut-être moyen. En tout cas, notre bateau, il s'est fait vite défoncer. Alors, j'ai un peu peur que... Voilà, on se fasse défoncer bêtement. Ok.
Maintenant, où est-ce que j'en suis? Il me faut des villageois. Forcément, il me faut masse villageois. Non, pas F1, qu'est-ce que j'ai fait? C'est 1, voilà. Donc on risque de se faire attaquer, bien évidemment. Donc méfiance. Bon, alors, j'ai joué un petit peu tout seul, là, du coup, pendant quelques... Oula, j'avais complètement oublié eux. Pendant quelques minutes, le temps de passer à l'âge 2, de faire tous les bâtiments de base, voilà, de... Ouh, putain de merde! D'où que ça sort? Ah, merde! Ah, oh, putain, j'avais pas vu. Et d'où qu'ils sortent, cette bande d'enculés? Surtout que j'ai pas énormément d'unités. Aïe, aïe. Oh la vache. Bon, ok, d'accord. C'était pas prévu. Et je vais très certainement devoir recréer des péons. Merde. Not planned. Tout ça n'était pas prévu. Bon, bah voilà. Je vais devoir refaire des péons. Du coup, j'ai plus du tout de nourriture. Ils sont à 9 à la nourriture. Je regarde, j'ai plus du tout d'unité de combat. Il faudrait que je remette un nouveau mur en plus. On va commencer par le mur parce que de toute façon. Non, pas maison. Il est où le mur? Voilà, ici, comme ça, on aura que des attaques d'un seul côté. Ici, j'ai un forum. Faudrait peut-être que je m'en occupe. Donc, j'ai tous les bâtiments militaires. Il me reste l'armurerie à faire. Je vais la faire par là. Ça va bien. Des nouveaux péons, parce que du coup il faut que je rattrape un petit peu. J'ai 8 alors, 10, c'est pas suffisant en 10. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais un besoin en nourriture qui était assez conséquent. Il faut aussi que j'améliore mes unités, que j'en fasse de nouvelles, parce que là sinon on va casser. Il y a tout qui va casser. 11. Donc il y en a un qui prie, c'est cool parce que du coup on a encore on a pas mal de d'énergie, des faveurs. Je suis passé avec Ares plutôt que Hermès. Putain de merde. Pourquoi il n'y a jamais personne qui me prévient? Non, pas F1, c'est 1. Alors attendez, parce que du coup je suis un petit peu dans... Je suis un petit peu embêté. Bon, retournez ta fée. Alors toi tu faisais quoi? T'étais au bois. Tu retournes au bois. Donc là ils sont plus que 8 alors, on va en mettre 2. Ils sont... Je vais avoir besoin de pas mal de bois, je vais en mettre 3 au bois. Niveau de la nourriture, ils sont 12. Je crois qu'il manque de la place ici. Ici, il y a du monde. S'il y a du monde. Je sais pas s'il y a du monde ici, je crois pas. Voilà, du coup, je suis obligé de tout refaire, c'est chiant. Au niveau des unités qui sont chiées, il y en a ici. Oh, donc, elles arrivent forcément par ici. Donc voilà, faut vraiment que j'en fasse. De toute façon, j'ai plus du tout l'unité. Tac, je vais faire venir par ici. J'ai plus du tout nourriture. Toi, tu te fais chier, tu vas aller ici. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu m'expliques? T'étais pas censé bosser? Alors, je vais mettre une tour ici au cas où. D'ailleurs, les tours, je pourrais pas les améliorer. Tour de guet. Donc, on va améliorer tout ça. Signalisation. Je pourrais passer à l'âge 3. Non, mais j'ai pas assez de nourriture. Alors, faut que je refasse des unités de combat, mais de toute façon, faut tout que j'améliore. Hein. Je lance les améliorations, je lance plein de trucs. Je vais jamais avoir assez de nourriture pour tout faire. Les améliorations de ce bâtiment, ok. Je lance les améliorations, mais genre à la pelle, hein. C'est YOLO time. On s'en fout, on améliore tout ça. Il faut que je résiste aux prochaines attaques. J'ai un peu peur qu'ils nous attaquent par ici. Du coup, je vais aller mettre un forum en bas une fois que j'aurai récupéré une unité de construction. J'ai fait tous les bâtiments sauf l'entrepôt. De toute façon, l'entrepôt ça va tant qu'on n'est pas trop loin au niveau bois.
Donc là, les améliorations arrivent. On peut faire des créneaux. Les créneaux, ça peut être bien, ça peut être pratique. Donc là, on a des hoplites, j'en ai fait 10. Je vais faire des taxiarchs. J'en ai plus assez. J'ai plus assez de bois. Ah, j'ai plus du tout de bois. Combien j'ai de personnes au bois? J'en ai 11. Je vais en mettre une dixième. Il faut combien? 800 de nourriture, 500 d'or pour passer à l'âge suivant. Au niveau de l'or, c'est bon, je suis encore bon. Hop, le taxirc. J'ai oublié de les mettre là. Hop, petit point de ralliement par ici. Ouais, je vais faire une nouvelle maison. Cas où. Ici, il m'attaque pas par l'eau, donc ça va. Il faudrait que j'aille détruire les forums, mais ça va être compliqué. Parce que la distance est assez importante et j'ai un peu peur qu'on se fasse rusher la gueule. 300 de bois. Ah, voilà. Ça devait arriver. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait suffisamment d'unités de combat au corps à corps efficaces contre la cavalerie. Voilà, donc là, c'était plutôt pas mal. Là, on est mieux. On a été un petit peu dans la merde à un moment, mais là, on est beaucoup mieux. On a des acontistes, des cavalerie efficaces contre les archers. Bon, j'ai pas vu beaucoup d'archers nous attaquer, du coup, ça va. Les cyclopes, ça pourrait être pas mal. Ça peut être des unités de siège, d'après ce que j'ai compris. Cyclope aîné, d'accord. Donc ça, c'est l'amélioration. 22, prend 4. Ah oui, quand même. Il y a 2 héros disponibles. Toi, je vais te balader par là, je vais voir si je peux pas faire un forum rapidement. Ou alors, je vais faire un grenier d'abord. Non, pas non, hein, pas un grenier, qu'est-ce que je fais? Comment on fait pour annuler? C'est pas le grenier que je voulais. Comment on fait? Je voulais l'annuler. Ah, ça va m'attaquer. Oh putain, ils ont un lion de... Un lion néméen. Le lion de mémé. Et oui, j'ai dit mémé comme les grands-mères. Un entrepôt que je voulais faire. Ah, ça avait l'air solide leur truc, hein. Alors des pélastes. Ok. J'ai quand même assez peu d'unités différentes. Ok, là du coup j'ai plus du tout de bois. Peut-être que je passe à l'âge suivant, ouais, mais 800 de nourriture, j'ai pas encore la somme. Bon, on va continuer de faire des unités. Plus assez de place en... Oh bah merde. D'accord, donc il est passé rapidement. Ah, j'ai plus assez de place pour les maisons. Pour ça, il me faut... un forum. Je vais aller construire un forum sur cette colonie. Donc on commence à avoir pas mal d'unités. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose une fois que j'aurai fait des cyclopes aînés et que j'aurai changé d'âge et que j'aurai un peu amélioré mes unités. Alors tu m'expliques pourquoi je peux pas passer de colonie ? Pourquoi? Peut-être qu'il faut que je change d'âge. Je sais pas. Là pour le coup, je sais pas. Peut-être qu'il faut que je change d'âge. Bah du coup, je vais juste attendre qu'on récupère suffisamment de nourriture pour changer d'âge. Et ça sera bon. Ouais, c'est ça, on approche vraiment de la limite. Donc oui, ça avance suffisamment rapidement. Là, j'en ai 14. 14, 13 et 10. En termes de production, c'est plutôt correct. On va atteindre rapidement les 800. Allez. Et c'est bizarre quand même. J'ai pas le droit de faire plusieurs colonies. Bah, ça me semble bizarre que j'ai pas le droit de faire plusieurs colonies, étant donné que il y a quand même deux. Enfin, il y en a quand même juste une juste à côté. Donc bon, c'est censé servir à quelque chose. Alors,
Dionysos, le dieu du vin et de la fête, ou Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Alors, Malédiction et Lion Néméen. Ah, Lion Néméen, c'est pas mal. Ou une hydre et Scylla. Ah oui, carrément. C'est genre Scylla, c'est... What the fuck. Bronze vient dans la... pour transformer en bronze la peau de soldats. Ah, d'accord, ça c'est... C'est ce qui concerne la légende des hommes de différents métaux, genre les hommes d'or, les hommes de fer et les hommes de bronze, si je me souviens bien. Les hommes de fer ou les hommes d'argent, je sais plus. Réduire ainsi leur vulnérabilité au combat, ça me semble pas mal. D'autre côté, Malédiction faisait plusieurs ennemis en port. Ah ouais, mais là ça élimine carrément les unités, ça peut être pas mal. Pomme d'or. Temps plus rapidement, permet aux villageois de déplacer et de construire plus rapidement, porter plus de charges. Améliore l'armure anti-armes tranchantes et perçantes de Lion des Mers. Alors en vrai, c'est pas mal, hein. Ou les chevaux de trace. Anastarov. Et Bacchanal. D'une petite quantité. Ah, ils sont bien tous les deux. Je pense qu'on va prendre Dionysos. On prendra Aphrodite une prochaine fois. Bon, alors, Dionysos, ça va aller vite. Déjà 15%. Alors, on a une petite armée. Il faudrait peut-être que je la place en... Oh. Non, mais non, pourquoi j'ai pris un villageois? Alors là, ça va être vite la merde si j'ai un villageois dans le lot. Voilà. Ah, bah bien, ils ont ouvert le truc. Ça va être pratique. On va faire rapidement. On va faire rapidement un mur. Ah, j'ai plus de place, quoi. Donc voilà, Dionysos, c'est bon. On va plutôt faire celui-là. Ça m'énerve. Pourquoi il y a une tour de guet? C'était pas une tour de guet que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça me paraît bizarre. Bon. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit. Je peux faire un forum. Cool. J'ai aussi énormément de nouvelles unités à modifier. Ça va me coûter la blinde. 300. Ah ouais, d'accord. C'est carrément... Bon, ok. Du coup, je pense que... Petite coupure. Je vais récupérer la blinde de... De nourriture, tout ça. Ah oui, j'ai plus d'or, ok. Je vais récupérer la blinde de nourriture et de modification. Ça devrait aller assez vite. Alors, ça y est, je viens de tout finir, tout ce qui était amélioration. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai beau avoir fait un nouveau forum. Eh ben, je peux pas faire de nouvelles maisons, ce qui m'emmerde un peu, parce que du coup, je suis limité en termes de population. Bon, c'est pas très très grave, parce que là, du coup, j'ai une forteresse, j'ai de quoi faire des armes de siège et tout. Artillerie de portée, efficace contre les bâtiments, prend 3, on va en faire 2. Le petit souci là-dedans, c'est que, déjà, en fait, on est un petit peu à l'air libre. Il faudrait que je referme ça. On est un petit peu à l'air libre au niveau des bâtiments, et en plus de ça, j'ai pas énormément d'unités en... Au total, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en foutre 10. Un peu de chaque. De toute façon. D'accord. J'ai juste plus de place du tout. Ça m'emmerde de plus avoir de place du tout. Bon, c'est pas très très grave. Alors. Donc, je pense qu'on va y aller. Je vais déjà m'occuper en prenant tout ça. C'est juste qu'il y en a qui sont presque morts. Je suis frité un petit peu là. Et vous savez être en 2. Donc nous, on va y aller. On va y aller déjà avec ça. On va essayer d'atteindre le côté gauche. J'ai pas l'impression que ce soit le bon passage, mais bon, tant pis. Ah si. Ça a l'air de passer. Alors attendez, hop, on va les faire venir par là. Je vais amener les lance-pierres ici. Ça peut être pas mal. Toc, je vais les faire rentrer là-dedans au cas où. Vitesse d'arme de siège augmentée, non, on s'en fiche. Le tout, c'est qu'on ait, je pense, suffisamment d'unités au cas où de disponibles, de prêtes à la construction.
Alors la question c'est d'où vous pouvez attaquer, vous, les armes de siège. D'où est-ce qu'elles peuvent attaquer? Si elles peuvent attaquer à bonne distance, ça peut être pas mal. Ah ouais! Il faut juste les empêcher d'atteindre le... Voilà, et là on recule. Ok. Bon, en fait ça va bien se passer du coup. Alors attendez, parce que j'ai des unités qui servent à rien. Du coup j'ai fait un grenier qui sert à rien, ouais. Alors là du coup... Ok. On a défoncé le mur, reste juste les petites unités et en attendant, hop, vous allez vous approcher du forum, on va défoncer le forum rapidement. Ouah, il a volé. Allez, on va défoncer ce forum, ça va aller vite. Aïe aïe aïe. Ça attaque là-bas. Faudra peut-être que je revienne vite parce que là il y a beaucoup d'unités. Oula ouais. Finissez-moi ça et on revient vite. Allez, on revient vite. Putain. Aïe aïe aïe. Il y a beaucoup d'unités dans tous les sens. Oh là là. Bon, ça va que j'ai des bâtiments de protection un peu partout. Même s'ils sont pas très forts. Bon, alors, il y a des minotaures et des lions de Némé qui traînent chez moi. C'est un petit peu la merde. Alors. Ok, les bassins traviens sont détruits. Oh, cool! J'ai envie de dire nickel. Attendez, contrôle 2, voilà. Vous pouvez plus bouger. Alors, attendez, pourquoi plus personne ne peut bouger? Ah quand même. C'est bizarre, j'ai l'impression de plus pouvoir bouger. Mais c'est quoi ces trucs? Attendez, on élimine vite fait les trièmes. J'ai ramené ça ici. Putain, c'est en train de me péter la forteresse. Attendez, c'est con. Je me fais attaquer dans tous les sens là. Aïe aïe. Là, je sens que ça va être la merde pour cette forto. Oui, c'était la merde. On va essayer de tirer les villageois. Il y avait de la milice à l'intérieur, bah dis donc. Putain, c'est le bordel. C'est un sacré bordel quand même. Et c'est particulièrement solide ces trucs. Bon, alors attendez. Maintenant. D'accord, il n'y a plus d'or, il n'y a plus rien, c'est la merde. À la limite, allez construire un entrepôt ici, vous allez chercher l'or. Reste ces saloperies de triem là qui font chier à toujours m'attaquer. Allez, il reste elle. Ça va être expédié. Voilà, c'est bon. Ok, bon, on va pouvoir attaquer. On va y aller en mode un peu YOLO parce que là, de toute façon, même si je renvoie... ouais, j'ai envoyé mes villageois au travail. Ah, il m'est resté des trucs dessus. Ok. Bon, bah du coup, on va quand même essayer d'y aller avec tout ça. Je pense que ça devrait passer.
Allez, contrôle 1. En espérant que je me fasse pas attaquer derrière. Parce que sinon, à ramener, ça va être la merde. Alors, on va attaquer. Eh ben, c'est pas simple, hein, tout ça. Oh la vache, il y a des colosses. Oui. On va ramener tout ça. Je vais placer ma cavalerie en premier. Donc, les colosses, ils ont 1100 PV. Oh là là. On a le fort à péter. J'espère qu'il faudra pas juste. Faudra pas revenir pour péter ça, sinon ça va être la merde. Ce que je vais faire aussi, je vais faire un truc de fou. Je vais fermer ce mur. Ah. On va ouvrir ça. Nice. C'est suffisamment puissant pour pas avoir de problème. La question maintenant c'est est-ce qu'ils seront à bonne distance pour attaquer ça? Ça m'étonnerait. Oula. Bon, je pense qu'on va YOLO rapidement. Donc le forum se fait attaquer pendant que nous on attaque le reste. Il faudrait que je fasse ça. Ça va les améliorer. Nice. Ça passe bien. Ok, on va essayer de ramener tout ça. Ah, reste un colosse. Oh là là. Il reste juste le port à détruire. Ça va se faire rapidement. Et puis c'est bon. Ah, ils sont rentrés chez moi. Merde. Ah, ouf. Bon, j'ai finalement gagné. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, je vous propose d'arrêter là cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la prochaine mission de cette campagne. Allez, salut à tous. Portez-vous bien.